zéro. Chers frères et sœurs, habitants de la province du Congo central et ressortissants de la province du Congo central, partout où vous vous trouvez, l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. Les valeurs millénaires, les valeurs sacrées, du Ubuntu, du Nekongo, ces valeurs ont été désacralisées. Le peuple Congo, depuis tous les temps, a toujours été caractérisé par ces grandes valeurs justement que sont le respect, l'honnêteté, la dignité, l'attachement à sa terre. Mais aujourd'hui, la dignité, la respectabilité, l'honneur du peuple Congo ont été jetés en pâture par le comportement de quelques individus, que dis-je, d'un individu, parce que l'amateurisme qui a caractérisé ces montages est si enfantin, si abject, qu'il n'y a l'ombre d'aucun doute, qu'il n'y a pas à supputer sur l'origine de ce coup tordu. Il ne s'agit pas d'un problème d'un individu ou d'une communauté contre une autre. Non, il s'agit de l'honneur du peuple Congo qui est bafoué. Et pour cela, d'où que l'on soit, du reste, c'est un problème national. Un vice-gouverneur, c'est une grande autorité. Et on ne peut pas, comme ça, l'humilier jusqu'à ce point. Et nous estimons que les responsables de ce qui vient de se passer à Matadi doivent répondre. C'est grave. Nous n'allons pas décortiquer les faits. Chacun les a suivis. Mais nous pensons qu'au nom du peuple Congo, ce peuple sacré, depuis Kimpavita, Simon Kimbangu, Kasavubu, je suis en terre de Nzeza Landu, en terre de Mbuta, François Kimasi, des vaillants fils Congo qui ont donné la valeur à cette terre, à ce pays, la République démocratique du Congo. Nous disons, nous demandons à tous les Congos, où qu'ils soient mobilisés, parce que nous allons donner un mot d'ordre. Tous les députés, toute la notabilité, à l'unanimité, nous condamnons ce qui vient de se passer à Matadi. C'est une insulte à l'image du peuple Congo et nous ne pouvons pas les tolérer. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, en concertation avec les autres notables, les autres députés nationaux et provinciaux, députés provinciaux qui se trouvent être malheureusement en vacances parlementaires, nous allons choisir un jour. Le plus tôt serait le mieux et je pense que en deçà d'une semaine, nous allons organiser une marche pacifique, mais une marche de colère pour réclamer non seulement le départ, mais la révocation du REDOC, c'est-à-dire le numéro 1 de l'ANER dans le Congo central. On ne peut pas comprendre qu'il se soit retrouvé à cet endroit-là. Depuis quand la mission de l'ANER est devenue de traquer des individus dans des résidences privées? De deux, des sanctions contre les responsables de la police. D'où relève cette dame qui s'est donné le kilo de porter atteinte à l'intégrité physique d'une haute autorité comme le gouverneur de province et le vice-gouverneur de province. De trois, des poursuites judiciaires contre tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Mais sur le plan politique, nous allons exiger tous, de Kasangulu jusqu'à Mwanda, la démission
premièrement du gouverneur de province, et puisqu'il constitue un ticket avec son vice-gouverneur. Mais le vice-gouverneur ne peut pas démissionner lui tout seul, quel que soit l'opprobre qui s'attache à son nom du fait du complot qui a été ourdi contre lui. Mais c'est le gouverneur qui doit démissionner le premier et ensemble, parce que nous estimons que les chapeaux des hautes fonctions des gouverneurs et vice-gouverneurs, ces chapeaux ne les conviennent pas. La province, nous ne pouvons pas la condamner et n'a pas de malchance pour dire que qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter de telles autorités, mais nous estimons que c'est tellement grave que ces gens ne méritent plus d'être à la tête de notre province. Soyons mobilisés et j'interdis à quiconque réduirait ces problèmes à un conflit entre telle communauté ou telle autre communauté. Non, il s'agit de l'opprobre jeté sur toute la communauté Congo et nous tous, qu'on soit de Mbanzangungu, qu'on soit de Lukula, d'où sont originaires les deux protagonistes, nous estimons que nous tous, nous devons nous lever, parce qu'une injustice contre un, c'est une menace contre tous. Monsieur le gouverneur Atumatubwana et son vice-gouverneur doivent quitter la tête de la province pour conjurer le sort et laver l'image souillée de la prestigieuse, de la merveilleuse province chère à Mbuta Joseph Kasavubu. Je vous remercie.